Bah, c'est important d'être là parce qu'aujourd'hui, on refuse la retraite à 64 ans. Le gouvernement nous sort des chiffres aujourd'hui qui sont erronés. Et je pense que les salariés peuvent faire un effort, ainsi que les patrons, pour trouver un point d'équilibre. Donc je manifeste contre cette loi inégale, inéquitable. Et on a besoin d'avoir plus de précisions sur la pénibilité, sur l'âge légal, les carrières longues. C'est un flou artistique. Il va falloir que la santé tienne, puisque aujourd'hui tous les sapeurs-pompiers sont vieillissants. On a du mal à recruter et voilà, 59 ans, monter dans un camion et aller éteindre un feu, ça va être dur. Il faut bien se dire que si la CFTC elle est dans les rues, c'est qu'on arrive à un stade de, entre guillemets, de non-retour et que je pense qu'elle a épuisé toutes les solutions de discussion. Je pense que plus il y a de gens dans la rue et plus ça fera reculer le gouvernement. Et, en espérant que la réforme ne passe pas en 49-3, mais je suis persuadée qu'on peut faire reculer le gouvernement.